Les disparitions forcées, c'est un terme qui est assez mal connu en réalité, qui est employé par des spécialistes, par des gens qui sont confrontés à ces drames. Mais le grand public ne sait pas ce que c'est. C'est une des violations des droits de l'homme les plus terribles, les plus brutales, les plus bouleversantes, et qui consiste à faire disparaître un opposant, quelqu'un dont la parole peut gêner, l'enlever, et ensuite en dissimulant toutes les traces, le torturer, l'éliminer. Et la famille ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle ne peut même pas porter plainte. Elle n'ose même pas évoquer son nom. Elle ne peut pas faire ce que l'on appelle le travail de deuil. Vous savez, on connaît les folles de la place de Mai. Ce sont les mamans de ceux qui ont été enlevés en Argentine et qui ont disparu, victimes très célèbres des disparitions forcées. Alors, je ne sais pas pourquoi on les appelle les folles, si c'est une dérision parce que le régime les appelait les folles, parce qu'elles manifestaient comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un crime qui rend fou l'environnement. Ce qui est le plus tragique, le plus terrible dans ce crime de disparition forcée, c'est que les victimes ne pouvaient pas, ou les parents des victimes ne pouvaient pas déposer plainte. Ils allaient au commissariat ou devant un juge, en disant, mais voilà, vous plaignez de quoi? Vous dites que on l'a enlevé, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de trace. Montrez-moi. Vous dites qu'on l'a tué ou torturé, mais il n'y a pas de corps. Donc, précisément, c'était des infractions, des crimes qui étaient insusceptibles d'être poursuivis. Donc, nous devons nous battre sur ce que l'on appelle la scène multilatérale, c'est-à-dire les Nations Unies, Genève, New York, pour que l'ensemble des États de la planète ratifient cette convention et éliminer cette criminalité de la surface de la Terre. Nous avons un travail très important à faire, non seulement sur le plan diplomatique pur, mais également en utilisant tous les moyens d'influence que nous avons pour que chacun des pays qui a signé cette convention enfin le ratifie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans voix. Oui, Ali Lascri est membre de l'instance présidentielle du Front des Forces Socialistes. Écoutez, aujourd'hui, moi, personnellement, je reste admiratif de ce que font les familles des disparus, et leur courage et les sacrifices qu'ils font, et le combat qu'ils mènent encore pour la vérité et la justice en Algérie. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est noble pour tous les Algériens, parce qu'effectivement, c'est la revendication de l'État de droit. C'est-à-dire, il porte aussi notre projet, le projet, quoi, c'est-à-dire du FFS, du Front des Forces Socialistes, de Hossein et Ahmed, le Rahmo. C'est-à-dire, l'état de droit, c'est arriver à la vérité, à la justice, la revendiquer dans les moments où nous vivons aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas facile. Donc nous, c'est un devoir d'être solidaires avec eux. C'est pour ça qu'on offre des espaces comme ça, d'ailleurs. Ils sont au siège du parti. Et cette salle, j'ai tout le temps dit que c'est un espace de débat, de démocratique, pour les syndicats, pour les associations, et surtout pour une association comme l'association des victimes du terrorisme ou des disparus. Okay. Et là, si on arrive à ce qu'il y ait une lumière demain, c'est-à-dire on va réhabiliter le politique, on va aller à l'état de droit. La justice et la vérité vont nous mener à l'état de droit. Donc leur combat, il est énorme. Et c'est tous les Algériens qui doivent le mener normalement. Justement, en tant que représentant d'un parti politique historique, si je veux dire, comment vous menez votre campagne? Je profite de cette catégorie marginalisée en quelque sorte, à la quête de la vérité. Oui, je vous ai dit, on offre des espaces comme ça pour déjà débattre, pour rendre public, par solidarité. Oui, officialiser, on l'a fait déjà, même au sein de l'Assemblée populaire nationale. La première fois qu'ils sont rentrés au niveau de l'Assemblée, c'était en 2014, on les a invités, l'association, et ils sont venus, toutes les associations des victimes terrorisme ou des disparus, ils se sont exprimés au sein de la salle de l'Assemblée. Ils ont fait passer leurs idées, les revendications qu'ils voulaient devant l'opinion, devant les journalistes. Oui, donc c'est un devoir. On doit le faire, soit au niveau du groupe parlementaire, soit au niveau du parti, dans toutes nos structures, là où c'est possible. Et on doit aussi porter les revendications, nous-mêmes. Et à Tizi Ouzou, dernièrement, au meeting qu'on a tenu, le 29 septembre, l'anniversaire du parti, j'ai parlé de la réconciliation nationale, j'ai dit qu'il faut justice et vérité. Il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale dans l'impunité. Donc on doit connaître la vérité, la justice et les victimes. On a été très clair.
très clair par rapport à ça. C'est aussi un apport pour l'association, pour, et c'est un devoir, parce qu'on se bat pour un état de droit, pour les libertés, pour la démocratie, pour la protection des droits de l'homme et pour la justice sociale. Merci bien, monsieur Lasky. Merci. Allez, au revoir. Voilà, je suis Hassan Farhati, je suis représentant des familles des disparus en Algérie, enlevées par les services secrets algériens de la décennie noire. J'ai un frère disparu depuis 1998 et je suis toujours à la recherche de la vérité sur le sol de mon frère depuis ce jour. Donc, en tant que responsable de cette organisation sur la disparition forcée, notre travail c'est quoi ? De faire pression sur le pouvoir algérien de nous dire la vérité où sont nos chers et d'orienter les familles dans la procédure à suivre pour orientation, c'est comment faire des plaintes, qu'on les oriente surtout juridiquement. 2001, on a créé cette organisation, donc première fois on a ouvert le siège le 15 septembre 2001. Et cette date, elle est quelque chose de symbolique pour nous, les familles des disparus. Le discours de le président de la République le 15 septembre 1999, il a déclaré à Sal Harcha que vos enfants sont pas dans ma poche. Donc on a choisi cette date-là. Actuellement, on est pour justement célébrer les événements qui ont surgi justement de la population algérienne le 5 octobre 1988. Et donc, pour représenter, en fait, célébrer cette date. Le pouvoir algérien a voulu oublier le 5 octobre. Nous, les victimes, on le célèbre chaque année. Donc, demain, sur le 5 octobre, on va le célébrer ensemble ici à Alger. Et il est symbolique pour le peuple algérien, ou la population algérienne, il est sorti, elle a démarré ce pouvoir pourri. Donc, nous, on doit continuer le combat de ces victimes du 5 octobre. On ne doit pas les oublier, parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. C'est récemment, c'est le 29 septembre, vient de passer, que le pouvoir algérien, il dit chaque fois que la réconciliation nationale a abouti, il y a la paix en Algérie. C'était relativement, justement, elle a abouti à quelque chose, mais réellement sur le terrain. En fait. Tu sais, nous, les victimes, on n'est pas contre la réconciliation, on n'est pas contre la paix. Nous, ce qu'on veut, une vraie réconciliation. D'abord, discuter avec les victimes. Le pouvoir algérien doit discuter avec les victimes. Parce que quand un groupe armé enlève quelqu'un, on sait que c'est un terroriste. Il s'appelle terroriste. Donc, lui, il vient au nom de la République algérienne. Et là, il y a une grande responsabilité des milliers d'Algériens enlevés. Donc, nous, cette réconciliation, on ne la reconnaît pas. Même les lois, l'article 45, l'article 46, ne reconnaît pas ça. Donc, ce que nous, les victimes, on demande que l'État doit discuter avec les organisations des victimes et trouver une solution qui va arranger tout le monde. Nous, on sait qu'il y a des vivants jusqu'à maintenant, en 2017. Parce que on a de l'espoir. De cette fondation, quelle est justement votre mission assignée à votre tête? Qu'en pensez-vous de la représentation de ces victimes qui sont perdues? C'est une charge énorme, c'est un fardeau sur notre dos. Le pouvoir, il a tout fait pour nous casser, mais alhamdoulilah, Dieu merci, notre patience et notre vigilance aussi avec les familles et surtout nos amis du FFS qui nous ont toujours soutenus. Et on tient le coup, mais à l'intérieur, on souffre. Vraiment, on souffre à l'intérieur. Plus de 10 000 Algériens qui sont sur ton dos, pas facile. Vous avez dit tout à l'heure que, justement, votre liste des victimes recensées jusqu'à maintenant, elle est selon vous, pas représentative par rapport à ceux qui ne l'ont pas encore identifié. Vous savez, si on parle de chiffres, je vais vous parler de chiffres étatiques. Voilà, Ksamtini. Quand ils ont fait en 2003 la commission ad hoc, ils ont recensé, soi-disant, hein, puisqu'on connaît le pouvoir, comment il fait, 6146.
Après, Xantini, il dit non, la gendarmerie dit 7200. Alors qu'en notre siège, nous, on a plus de 8000 dossiers. 8000 dossiers. Alors, 8000 dossiers. Vous êtes justement à la recherche. Voilà. Il y a aussi un autre rapport, le rapport de la CCMPPDH d'Oxanténi. Le rapport de 2007, vous pouvez le consulter. Il déclare qu'il a reçu 14 500 et quelques familles de disparus. Donc le chiffre, il est énorme. Elle a reçu. Donc il y a des familles qui n'ont pas encore reçu. Et il y a un autre problème aussi qu'on ne doit pas oublier. On parle des disparus, mais il y a des Algériens qui sont enterrés sous X. Xantini l'a déclaré en 2003 dans un article, le journal Expression, qu'il y a 3300 Algériens, ils ont été enterrés sous X. 3300 Algériens enterrés sous X. Si on avait un état de droit, pourquoi pas régler le problème de ces 3300 Algériens qui sont enterrés sous X? Ils savent où, à l'Alia. Avec le temps, ils sont en train de partir et disparaissent. Pourquoi pas régler 3300? 3300, je peux multiplier par 3, par exemple. Il y a 10 000 familles. Peut-être qu'ils ont laissé des enfants, peut-être que des petits-enfants. Comme, il y a 3300 Algériens enterrés sous X à l'Alia. Alors, ce qu'on demande à cet État, d'ouvrir ces charniers, d'ouvrir ces tombeaux et faire des analyses. Et comme ça, vous allez soulager beaucoup d'Algériens. Est-ce que vous avez justement travaillé avec, en collaboration, en coordination avec les responsables officiels du gouvernement? Est-ce qu'ils ont consulté votre requête? Aucun responsable étatique ne nous a reçus au parler. Il n'y a que est-ce la... Que vous avez fait chaque année, on fait des dizaines de demandes d'audience. On a fait même des rassemblements devant le ministère de la Justice avant de faire la procédure. La procédure, c'est d'écrire, demander une demande d'audience. On attend la procédure légale, c'est 20 jours. S'il n'y a pas de réponse, donc on peut aller les voir. Donc, aucun responsable étatique ne nous a parlé. Jusqu'à maintenant, en 2017.